Et on va faire les compétences. Les points de compétences. Donc, où on va améliorer le personnage? Là, il nous faut premier tir, prompto, 6 de PC. Donc, on va faire ça. Épée à deux mains permet à Gordo de faire une puissante contre-attaque qui déséquilibre l'ennemi. On va le faire aussi. Ensuite, permet à Ignis d'analyser automatiquement la plupart des ennemis au début des combats pour découvrir leur faiblesse et leur renfort et leur résistance. Ça, on va le mettre aussi. Et là, c'est augmente les dégâts infligés par les combos. Donc voilà, donc là on va améliorer ça. Ensuite, il y a quoi d'autre? Permet à Noctis de s'équiper de deux accessoires à la fois. Là, j'ai déjà décoincé. Ok, ça c'est déjà décoincé, on verra après. Permet de gagner des points de compétence quand Noctis pêche des poissons. Bon, on va le faire. Augmente les points de compétence gagnés lors des nuits passées à camper. Il me reste que 10 points de compétence, donc on va aller voir si je peux débloquer autre chose. Là c'est 12. Là 32. Là c'est 18. Ok. Là 99. Là, on peut pas non plus là. 20 points, j'ai pas assez. Non, on n'a pas assez de points là. Ah, 8 points. Arme à feu. Tirer une fusée éclatante pour attirer les ennemis. Diminuer la capacité des amandes un segment. Ah, pour débloquer ça. Voilà. Impeccable. Donc, allez, on est parti. On tourne vers le village. Je vais voir s'il y a des quêtes. Quête secondaire, là il y en a une. Est-ce que. Là j'ai une quête secondaire aussi là. Faudrait qu'on retourne à Homened. Là j'ai une quête secondaire ici. Elle est où? Bah de loin on la voit et pas de près. Faudrait qu'on fasse les quêtes secondaires. Là, c'est niveau 8, mais bon, ça, c'est l'histoire principale. Enfin, le coursier princier, comme ça le fait. Tac. On va faire les quêtes secondaires un petit peu aussi. On va avancer ça. Elle est où la voiture? Ignis, combien il y a d'armes royales? Autant que de rois d'antan. Mais toutes ne sont pas forcément intactes. Une vraie ch. On va s'arrêter là avant. Mais. Son trésor. Mince, j'aurais pas dû faire ça, ça aurait fait perdre 10 guilds. Bon, c'est bon, mais. C'est pas grave. Noct. Fais attention à ne pas acheter des objets inutiles. Ça va, je suis pas débile. Tu te prends pour ma mère ou quoi? Non, mais je la plains. Faire le plein de la voiture, voilà. Impeccable. Je vais vous partager les vidéos pendant ce temps-là. Tac, j'ai oublié de le faire. Pendant qu'elle est en train de laver la voiture, elle. Plus belle que jamais. Donc, vous avez le récap du mois de janvier 2023. Alors ça c'est des vidéos que je suis pas sûr qu'ils marchent correctement, mais au moins je fais des récaps.
Alors, j'ai pas pu parler des nouveautés parce que je sais pas. Il y a Hogwarts Legacy, c'est sûr que je vais faire en live, mais. C'est ce que lui, mais voilà. À part ça. Ok. Il est où la... Elle est où la quête là? La quête. Alors, on fait une petite pause, mon prince? Ouais, si on veut. Y a quelque chose à me demander? Non, t'inquiète pas. Je voulais juste te dire bonjour. T'as beaucoup de boulot en ce moment? Ouais, comme toujours. Mais aujourd'hui, j'ai un truc à faire. J'allais justement partir quand t'es arrivé. Un de nos clients m'a rapporté une nouvelle intéressante. Il paraît qu'il a vu une bouteille de lustrant très rare. Ça pourrait être pas mal pour la Régalia. Alors j'ai décidé d'aller la chercher. Te fatigue pas, on va y aller nous-mêmes. Vraiment? Hop. Ouais, après tout, c'est notre voiture. C'est vrai, mais... Bon, bah... Si ça vous dérange pas... Vous risquez d'avoir un peu de mal à la trouver, par contre. Pourquoi? Parce que ce client ne m'a pas dit exactement où il l'avait vu. Ouais, d'accord. On va chercher une bouteille de lustrant aperçue dans un endroit dangereux. Bon, on va faire ça dans Je sais pas si dans quel ordre on va faire. Là, ça nous fait repartir par là. Les deux autres sont en bas. On va faire les deux autres en premier. Hop. T'as tout compris. Mais c'est génial! Tu te rends compte que Cindy était prête à faire ça? On va faire les deux du bas avant. Merde, à chaque fois que je me fais avoir, je mets oui. Oh là là, quel con. C'est sûr que ça va aller plus vite, mais. N'importe quoi. Ça y est, on y est. C'est réconfortant de voir enfin des gens. On est parti là-bas, on va aller chercher des. Elle est là, elle est là. Bienvenue. Tu sais quoi que je dois faire? N'hésitez pas à revenir. Au tenir des tomates lucitiennes. Ok. Puis-je faire quelque tomates. Chose pour vous? C'est celle-là. On va prendre une, ça doit suffire. Merci pour tout. J'espère qu'on se reverra. Bah, ce que je viens de faire. Bienvenue. Merci pour tout. N'hésitez pas à revenir.
faire quelque chose pour vous ? Merci pour tout. Bah. J'espère qu'on se reverra. Là, je comprends pas. Il faut retourner là-bas peut-être, vu que c'est déjà acheté. Peut-être faire ça. Bon, c'est pas grave. C'est là. C'est ça que t'as qu'à vouloir, hein? Ouais. On n'aura pas eu de mal. Tu parles d'une mission. Il n'a pas été trop sévère. Bon, faisons le tant qu'à faire. Ouais, c'était bien ça la quête. Ouais, ouais, on est déjà. Il y avait juste à changer de quête. D'accord. Donc, il m'a envoyé acheter des tomates. Le gars là-haut. J'ai bien que ça à faire, acheter des tomates, je vous le dis. Bienvenue à Galdina. Hop, donc on va descendre en bas voir le photographe. Si on campe dans un sanctuaire, l'oracle nous protégera, c'est sûr. On fera du camp. Tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Ah, voilà le prince, t'as l'air en forme. Ouais, je sais. Désolé pour le bateau. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais tu sais, avec ce qui s'est passé à la capitale... Ouais, t'inquiète pas. Ah, au fait, je voulais te dire. Tu sais, c'est dur de vivre du métier de reporter. J'ai décidé de m'investir dans celui de bijoutier. Ah ouais ? À propos, t'as du temps là ? Pourquoi ? Ça te dit un nouveau bijou ? C'est en échange d'une autre pierre précieuse. Tu sais, comme la dernière fois. T'as juste à aller faire un petit tour. Hop, bah allez, on va faire ça. Je suis crevé. Allez, on est parti. Il dit qu'il s'inquiétait pour toi, mais je crois qu'il voulait surtout te demander ce service. Ouais, je m'y attendais un peu. Décidément, ça inspire vraiment pas le respect. Je veux bien aller chercher cette pierre, mais j'espère que ce sera pas trop dangereux. Je brûle, là. T'entends, je bouille, je suis crevé, des trucs comme ça. C'est bien, ça. Allez, on continue. Tac, on fonce. On fonce au... La balle à Regalia et on va là-bas, à l'endroit indiqué. Donc on avance petit à petit les 4 secondaires, on fait un peu tout. Quête principale, quête secondaire. Bah la quête principale, ça va conclure le chapitre 2, je crois, si je m'en souviens. Dis-moi, Nocte, c'est fatigant d'utiliser le pouvoir des rois ? Si je me trompe pas. Je suis pas sûr, mais j'ai un doute sur ça. Tu pourrais essayer de te coucher plus tôt déjà. Quête et ouais, le truc du bijou qui est là. Allez, c'est parti. Bon, vous êtes tous prêts ? Ouais, on y va ? Des fois, de temps en temps, t'as le droit de... C'est marrant, ça. T'as le droit d'accélérer un peu la cadence de temps en temps. Bah, c'est comme ça, mais bon. Donc, vous avez vu l'épisode 6, il a duré une cinquantaine de minutes parce qu'en fait, j'étais rentré dans un donjon, donc la nuit, elle est passée, en fait. Mais comme il fallait que j'arrête le live, bah, j'étais obligé de couper l'épisode. Donc je me suis reposé. Mais bon, c'est comme ça.
Après, je reviendrai. Je reviendrai voir Dino pour lui donner ses. Comment ça s'appelle? Ces trucs là. Après, on repartira vers le Homehead. On ira voir le garagiste, le vendeur, le restaurateur. Pour aller lui donner ses tomates. Voir s'il y a des quêtes secondaires en place là-bas, à mon niveau. C'est quoi Ah non, je suis dans la voiture, je peux pas aller voir. Donc voilà. Donc bon. Il s'installe comme il veut, lui. Il y a que Noctis et Bouge dans le jeu. Hop. Alors mercredi sur la Gaming TV, c'est sûr que je vais live dessus, mais je sais pas du tout ce que je vais faire. Comme je sais pas si ça dépendra déjà si. Mais je crois que Jonathan est là. En plus. Donc on va. Peut-être du Conan Exil, on verra. Peut-être du ETS2. Faut voir ça. Hop, allez, on est parti pour la quête. Parce que la quête se trouve ici. C'est ici que Dino nous a dit de chercher? Ouais. Dépêchons-nous de trouver cette pierre précieuse. C'est vrai que ça peut être à la limite aussi. Noct, au-dessus de nous! Ils sont là! Merci. Bon, il reste plus qu'à apporter ça. Pas de quartier! Arrête un peu de te la jouer! Je peux parler. À mon tour! Niveau 16, non, c'est pas mon niveau ça, on dégage. Ouais, je suis que niveau 12, donc heureusement que je me suis barré. Elle est où la régalia? Où est-elle la voiture? Elle est plus haut. Elle est plus haute là-bas. Allez, on va retourner voir la Regalia. Et on repart voir Dino. Moi, ce qu'on va peut-être rouler un peu de nuit pour ramener les tomates, c'est pas ça qui va me gêner. Oh, je crève de chaud. Ah bah t'as qu'à enlever ta veste. Peut-être Regalia.
Tous prêts? Ouais. Ok, on y va. Mais il m'emmène où? Ah, on retourne voir. On retourne de l'autre côté, j'ai eu peur. Je me disais, mais j'ai pas choisi l'endroit. Donc si c'est bon. Hop. En vrai, j'ai peur qu'il m'emmène n'importe où, lui. Ce con. Hop, allez, on est parti. Un quart du plein qui est déjà parti. On a fait 300 mètres. La voiture a consommé à gogo. En tout, j'allais perdre un demi-plein, j'aurais fait 600 mètres. Super. Donc on va aller voir Dino, on va aller remettre sa pierre et après on va continuer directement, on va partir de nuit, même si je crois qu'il n'aime pas trop rouler de nuit, mais tant pis. Et on va remettre les tomates au restaurateur et après on ira se reposer. Mais ça va le faire, ça. Donc voilà. Ouais, il y a un jeu que je suis pressé d'avoir quand même, c'est Final Fantasy XVI. C'est ce jeu-là qui me hype le plus en vrai cette année. Il sort au mois de juin. Ah ouais. Ça, il me hype beaucoup le jeu. Salut Tokita. Donc voilà. En sachant qu'entre les deux jeux, il y a au moins 8 heures d'écart. 9 ans d'écart parce que ça fait 9 ans qu'il est sorti Final Fantasy XV. Déjà. Malheureusement qu'il n'est pas le meilleur. C'est loin d'être le meilleur jeu. C'est loin d'être le meilleur Final Fantasy. C'est pas le pire non plus, mais... Voilà. Malheureusement. Tac, allez, on arrive. On va aller voir Dino. C'est vraiment magnifique la nuit par ici. Et il paraît qu'Alticia est encore plus belle. Ah oui, c'est vrai. On refait le plein parce que la voiture qui se vide en... qui fait un demi-plein en 600 mètres... Non, j'exagère un peu quand même, pas, j'ai pas fait le plein ici. Donc voilà. Donc mercredi, on verra ce qu'on va faire comme jeu, ça dépendra si Jonathan et tout est là. On va sur la Gaming TV. Et après, je sais pas si quelqu'un va streamer sur la Gaming TV. Mais au début, je disais que je n'allais pas mettre de planning. Mais Modern, c'est vrai qu'il a raison. Il faudrait que déjà que je mette un planning en place quand même. Parce que il y a des jours où je sais en avance quand je vais stream dessus, moi. Donc le problème, c'est que si je mets pas de planning, à part si on fait le même jeu que Jonathan, par exemple, ou quelqu'un d'autre qui live en même temps, mais. Mais si on met pas de planning, le problème c'est que bah, si la chaîne est pas dispo, bah, je suis con. On se retrouve comme un con en fait. Bah, après, on est que 3 pour l'instant dessus, donc c'est pas très grave, mais. Bienvenue à Galdina. Donc voilà. Je sais pas, t'as un hôtel à conseiller ? Je sais que moi je live pas aujourd'hui dessus, du tout. Je sais pas si Jonathan va live dessus. Alex et Isaac c'est aussi, donc il pourra stream aussi. Donc voilà. C'est sûr, moi je l'aille pas aujourd'hui dessus. On se donne rendez-vous à quelle heure? Ah, je savais que tu y arriverais. Ça a été? Vous avez pas eu de problème? Non, pas trop. Bon, tant mieux. Tu peux être fier de toi, tu sais. Grâce à toi, on pourra peut-être sauver plein de vies. Comment ça?
La plupart des gens ne peuvent pas se risquer à sortir la nuit. Mais certains sont obligés de le prendre, ce risque, non? Ouais, j'imagine. Ben moi, je crée des bijoux spéciaux, exprès pour ces gens-là. Et tout ça grâce à toi. D'ailleurs, tu devrais les essayer. Tiens, voilà ta récompense. Comme promis. Allez, à la prochaine. Je t'offrirai peut-être un nouveau bijou. C'est bon, la quête est finie. Encore une quête, là? Qu'est-ce qu'il nous... Dis donc, t'as du flair, mon prince. Si ça se trouve, tu ferais un bon journaliste. Mon flair me dit que toi, t'as besoin d'un service. Exact. J'avais besoin de Pierre, et te voilà. Par contre, c'est dans un endroit un petit peu dangereux. T'as qu'à y aller vite fait, je te récompenserai. Dans un endroit un petit peu dangereux, il doit y aller vite fait. C'est où ça bien? Ah non, c'est niveau 15, donc je peux pas y aller. Et on peut pas y aller tout de suite. Ok. Donc c'est niveau 15 et on peut pas y aller tout de suite. Ok, ça c'est bon. Parce que je suis pas niveau 15, je suis que niveau 12. Donc ça, on verra ça plus tard. Une toilette de reine niveau 7, ça c'est pas au bon endroit. Donc on va ramener la tomate au restaurateur. Mais oui, je me dis les tomates, je ramène des tomates au restaurateur, je viens de dire ça. C'est tout à fait normal. Nous a offert jusqu'à maintenant. La récompense devrait valoir le déplacement. Ouais, t'as pas tort. Mais il a c'est pas mal comme idée. Et ça vous étonne, Majesté. Il y a des trucs, des quêtes de niveau là. Je suis niveau 12, j'avais dit. Contente de vous voir. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Si vous pouviez nous débarrasser de cette menace. Ah, niveau 11, ça je peux la prendre. Sympa, merci. Attention à ne pas vous blesser. Quelle bonne odeur. Il est 19h. Il fait nuit là. Bon, on va faire les combats maintenant. On va retourner voir elle. Donc voilà. Sauf que je vois pas grand chose. Il fait vraiment sombre. Ah non, c'est que sur la télé que je vois mal. Sur la OBS, je vois mieux. Ok. Fait un peu plus moins sombre. Je crois que j'ai un problème. C'est l'Elgato qui fait ça, qui rassemble le jeu sur la télé. Bon, c'est pas grave. Mais... Bah, c'est pas grave. Si, c'est chiant. On voit quand même, c'est pas full noir là. Même si moi c'est full noir là sur la télé. Je peux pas vous le faire voir parce qu'il faut que je retourne l'écran, mais vous verrez que c'est complètement full noir. Je vois pas la tête du perso en plus. Un gros tête zampe. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais, allez. Un peu de lumière. Bonne idée. Ah, on a trouvé ce qu'on cherchait. Je crois que nous avons trouvé nos cibles. Bien. Il meurt pas. Oh là. Bah, on va pas faire le combat tout de suite, il fait nuit, ils sont trop forts. Et où le sanctuaire? Quand tu les tapes, il diminue pas de vie. Et où est le sanctuaire? Bah, on va aller se reposer. On va mettre fin à l'épisode déjà. On n'aura pas fait grand chose sur cet épisode. Le sanctuaire, il est là. Okay.
Super. Vous avez vu, ça diminue pas de vie. Oh non, on va prendre la caravane, c'est à côté. On va pas s'emmerder. Baston vidéoludique ? Encore King's Knight ? Tu vas regretter ta proposition. Je peux pas vous laisser perdre tout seul. Voilà. Avec elle. Donc c'est l'épisode combien ça ? Final Fantasy 15 épisode 7 qui est prévu pour le 2 mars. Hashtag 7. Tac. On n'aura pas fait grand chose, mais. Mais là, je sais pas, on peut faire autrement. On a fait que rouler dans le jeu. Ok, bon.